Je vous prierai maintenant de vous asseoir confortablement, de vous centrer sur le cœur, de vous détendre afin d'accueillir et d'intégrer ces énergies de guérison. Vous êtes convié à m'accompagner au cours d'un voyage en conscience à Telos afin de faire l'expérience du grand temple de Jade sous le mont Shasta. Vous y venez dans votre corps éthérique. En continuant à vous centrer sur le cœur, confiez à votre soi supérieur et à vos guides votre désir qu'ils vous emmènent avec eux. Invitez vos guides à vous conduire à Telos en conscience vers le portail du grand temple de Jade. Ils savent précisément comment vous diriger jusqu'à lui. Détendez complètement votre corps et respirez très profondément en ayant la résolution de vous rendre au grand temple de Jade. Visualisez-vous sur place. Vous atteignez le portail de cet immense édifice de forme pyramidale à quatre côtés et fait du jade le plus pur, le plus fin. Le grand prêtre, gardien du temple, vous salue. Malgré son millénaire en âge et en sagesse, il paraît n'avoir que 35 ans. Le sol est carrelé de tuiles de jade et d'or pur. Des fontaines luminescentes au reflet d'un verre doré lancent des jets de leur essence à 10 mètres dans l'air, un peu partout, esquissant de la sorte une atmosphère mystique. Sentez que vous êtes vraiment dans ces lieux et regardez autour de vous. Observez tout ce qui vous est montré. Humez l'air que vous respirez en ce temple avec toutes ces fontaines d'énergie de guérison pure. Que c'est rafraîchissant et revivifiant pour votre corps. Bien que votre visite se déroule sur le plan éthérique, vous rapporterez cette vibration à votre forme physique une fois le voyage terminé. C'est pourquoi il est indispensable que vous inspiriez aussi profondément que possible cette énergie curative. Des fleurs aux mille formes et teintes, de même qu'une multitude de plantes couleur émeraude, foisonnent dans de grandes jardinières disposées dans un environnement magique. Votre regard glisse légèrement sur cette beauté sublime et vous ressentez le caractère sacré de l'endroit. Imprégnez-vous au maximum des énergies de ce lieu. Le grand prêtre vous présente à un membre de notre communauté qui vous servira de guide et d'accompagnateur pendant votre visite ici. En pénétrant dans ce temple en compagnie de votre guide, vous apercevrez une immense pierre de jade de forme ovale,
Cette gemme présente la plus pure et la plus élevée des vibrations curatives. Au sommet de ce jade repose un calice d'or et de jade. Il abrite la flamme perpétuelle de guérison, couleur émeraude, qui se consume d'elle-même depuis des millions d'années. Ressentez maintenant cette flamme. Sentez-la en votre âme, dans votre cœur et votre corps émotionnel, car vous pouvez l'emporter là aussi. Cette flamme prodigieuse brille à jamais. Elle contient une matrice d'énergie curative destinée à la Terre entière. Cette flamme est douée de conscience. Elle est éternellement alimentée par l'amour de l'Esprit Saint, du royaume angélique et par le nôtre aussi. Comme vous approchez de la pierre, le gardien de la flamme vous invite à vous asseoir sur un siège de cristal et de jade et à méditer sur ce qui, dans votre existence, demande d'abord à être guéri et sur les modifications de votre conscience que vous vous êtes disposé à effectuer en vue de votre guérison. Au cours de cette méditation, vous recevez par télépathie des conseils et de l'aide de vos guides. Ceci s'imprime dans votre âme et votre cœur. Faisons un arrêt pour permettre à cette interaction avec vos guides et avec votre soi supérieur d'opérer la guérison. Ressentez les énergies bienfaisantes du temple et inspirez-les en vous. Respirez à fond cette énergie car vous l'intégrerez par la suite dans votre corps physique. Continuez de respirer. Vous vous trouvez au sein du site de vibration régénératrice le plus sacré sur cette terre. Prenez tout votre temps. Vous n'avez pas à vous presser. Vous aurez terminé, déambulez autour du temple en compagnie du guide qui vous a été assigné. Imprégnez-vous de l'exquise beauté et des énergies reconstituantes. N'hésitez pas à lui communiquer les fardeaux de votre cœur et demandez-lui de vous donner davantage d'aide pour votre guérison. Soyez ouvert à ce qui vous sera révélé. Si vous n'arrivez pas à vous en souvenir consciemment, ne vous en inquiétez pas. L'information vous parvient sur un autre plan.
lorsque vous ressentirez un dénouement, reprenez conscience de votre corps et inspirez profondément. Sachez qu'il vous est possible de retourner dans ce temple à votre guise. Chaque fois, l'on vous secondera de la même manière. Plus vous y retournerez, plus vous établirez un lien étroit avec nous. Nous tendons la main du mieux que nous pouvons. Répondez à notre geste en vous tournant aussi vers nous. Rien n'est possible sans réciprocité. Nous concluons ici cette méditation en vous transmettant l'amour, la paix et la guérison. Nous vous tendons généreusement la main avec amour pour vous guider. Nous ne sommes séparés que par une pensée, un murmure, une prière de votre cœur.